Hello, bonjour la famille, ça va ou quoi? Ouais, moi tranquille, je suis posé dans le bando. Abidjan, ça va? Allons dire quoi, les petites pluies bêtes bêtes du matin là, ça va? Hein? Les embouteillages, ça va là-bas? Les balais inutiles sur la vie des gens, oui. C'est vrai, Dieu même, il passe son temps à sainter, enfin les gens seulement. José aussi, elle est leader de la musique ivoirienne. Et puis elle s'en fait dire, mon frère, quelqu'un qui l'a pas doté en temps. C'est pas son utérus qui chante. Mais bon, tout ça, on entend. Sandrine Droubi, même qui lui a dit de parler, elle a divorcé, le médecin est venu s'exposer. Les balais inutiles, ça va? Bon, ben moi je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï, loin de tout. C'est un tamar d'Abidjan. Et ben je suis pas venu ici pour manger. Moi, je mange pas de ce pain-là. On est plutôt venu participer à un événement qui s'appelle Africa Dubaï Business Award. C'est un événement qui a décidé de primer ceux qui se sont démarqués qualitativement au cours de l'année. Et il y aura des rencontres B2B, il y aura des projets qui seront pitchés, il y aura des personnalités qui vont se rencontrer. Voilà, il y a des personnalités vraiment exceptionnelles qui seront présentes. Donc nous autres, comme on fait partie des personnalités, ben on est là. On est là. Et je sais, c'est pas facile pour vous, mais je vais vous faire voir un peu de quoi il s'agit. Non, toi-même là, vise un peu. Vise. Attends, je te fais voir un peu. Je te fais voir. Regarde. Regarde, tu vois? Tu vois? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, rien à dire, mais c'est un endroit. Mais je tenais en même temps à m'adresser à ceux qui m'écoutent. Vous savez, je suis venu ici, j'ai découvert beaucoup de choses. Au sein de ces choses que j'ai découvertes ici, c'est qu'on n'a pas un aéroport, on a un arrêt de bus. J'entends souvent les gens dire, oui, tu sais, nous avons un aéroport aux normes internationales. Taisez-vous. C'est ici qu'on appelle l'aéroport. Nous, c'est arrêt de bus. Arrêt de bas quand même. Non, mais j'entre dans l'aéroport, je suis ébloui. C'est-à-dire, j'ai failli tomber en syncope. J'ai dit, mais c'est quoi cet endroit-là? Mais l'aéroport grandit. Non, ce n'est pas l'aéroport, c'est un terminal. En tout cas, c'est terminal. Et pour terminer, on souffre. C'est terminal vraiment. Tu n'as pas bac, tu ne peux pas passer dedans. On parle anglais, on parle anglais. Il y a trois terminaux. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Moi-même, les siphons. C'est ça, on dit, des gens sont organisés. On fait du bruit pour rien. Là, je cherche un taxi tranquille, je sors. Tu sais, c'est en anglais, on parle. Hein? Écoutez, c'est en anglais, on parle, donc je sors. Voilà. I'm looking for a cab. You know, nous, je cherche un taxi rapidement. C'est pas une affaire de Yango où on discute. Tu envoies ta destination, le gars, il arrive. Et puis, c'est là, il te demande, vous allez où ça? Tu vois des questions bêtes comme ça. Non, le taxi, il est garé, c'est carré. Tu vas vers lui, ouais, where are you going, man? Tu vois, tu lui expliques où tu vas. Et puis de là, il te prend, il va te déposer. Le véhicule est climatisé, tout est carré. Quand tu parles, il ne parle même pas sa bouche dedans. Ils ont des petites boules, ils mettent dans les oreilles pour ne pas t'entendre. Il ne parle pas, le monsieur est d'un âge avancé. Tu vois, sa carte est là, ses références, tout est là, tout est carré. C'est pas ici, à Abidjan, quand il monte d'un taxi, tu fais, ado. En même temps, un coup, ils ont commencé, l'acheter de la vie, nous on est fatigué, on souffre, taximètre, voilà, c'est pas ça. On continue notre chemin. C'est-à-dire, la voie, tout est tracé, tout est ordonné. Il n'y a pas les gens qui font livraison à moto, qui passent, vent, il n'y a pas les femmes qui balaient pour verser poussière. Non, il n'y a pas ça. Tout est carré, tout est organisé. On arrive au feu. Tu vois, au feu, tout le monde respecte le feu. Il n'y a pas policier, mais tout le monde respecte le feu. Il n'y a pas un baka qui sort et puis qui grille le feu, il n'y a pas ça. D'ailleurs, mais quand tu grilles le feu, 30 secondes après, tu reçois un message sur ton téléphone pour te dire, monsieur, vous avez fait une infraction et vous allez payer. Non, mais c'est ça, on dit un pays organisé. Tel quand tu vois ça, tu n'es même plus retenu chez toi. On progresse, on continue, on arrive à l'hôtel. L'hôtel est beau, tout est carré, tout est chic, tout est joli. On rentre, on est bien accueilli respectueusement. Ce n'est pas les gars qui parlent mal pour rien là. Il n'y a pas de cafard, tout est. Attends, attends. Look. Non, non, wait a minute. Wait. Tu vois de quoi je te parle? Look. Tu vois, regarde toi-même. Petite chambre tranquille. Tu vois, il y a un peu de bazar, mais bon. Tu vois, ça? Radisson Blue, s'il te plaît, de Dubaï. Tu vois? Et là, on nous reçoit, on nous respecte, on nous considère. Oh là 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 là. À cette allure, je me demande si je vais retourner à Abidjan tout de suite là. Non, mais sincèrement, ce que je tenais à dire, c'est qu'il faut qu'on fasse mollo. Il faut qu'on se calme parce que, voilà, on n'est nulle part encore. Souvent, si je joue les pays développés, si je joue les dangereux, on a encore de la marge. On a beaucoup de chemin à parcourir. Regarde les buildings. Regarde les buildings. C'est-à-dire, c'est pas une affaire de. Il y a un même qui a écroulé. Vraiment, ministère de la construction. Il n'y a pas ça. Les immeubles, tout est carré, tout est beau. Regarde un peu. Regarde le bord de l'eau. Regarde, look. Tu vois, il n'y a pas des gens qui viennent chier dans le sable. Non, il n'y a pas ça. C'est organisé. Amine, c'est organisé. J'espère qu'un jour on va atteindre cette performance d'organisation. Mais je tenais juste à vous dire que je vais chiller un peu. Tout à l'heure, on a une conférence juste en bas. Connie est là, il y a d'autres qui sont présents. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Donc, je tenais à vous dire que je suis à Dubaï.
et ces jours-ci, vous allez me sentir serré dans votre sang. Oh, il dit, aigreur, va tuer certains. Mais c'est comme ça la vie. Hein. Il y a les uns qui voyagent, qui viennent à Dubaï, et il y a les autres qui restent dans la chaleur, dans la pluie, dans la corruption et dans les guerres à Abidjan. À ciao!